bleu bleu turquoise, la jungle. Je vous emmène à l'autre bout du monde, aux îles Fidji. Je suis parti là-bas avec la seule conviction que dans un archipel de plus de 800 îles, je finirai par trouver l'objet de mon fantasme. Mais je reviendrai en détail sur cette chasse au trésor dans la prochaine vidéo, parce que là, nous partons tout de suite au cœur de l'aventure. Elle s'appelle Laiwa, une île totalement inhabitée, qui sera mon terrain d'aventure pour les 40 prochains jours. Une aventure extrême, mais loin d'être originale, puisque les règles, vous les connaissez. 40 jours, 1 kilo de riz, une réserve d'eau et un kit de pêche. Cela fait plus de 20 ans que Koh-Lanta met en lumière cette aventure. Autant d'années à vivre par procuration. Mais aujourd'hui, il était temps. Cela fait plusieurs années que je vous partage mes aventures aux quatre coins du monde sur cette chaîne. Et l'homme d'aujourd'hui a fait du chemin entre l'Amazonie. Les déserts africains. Si ça va me rendre un petit peu malade. La Laponie. Le grand froid et j'en passe, mais là il était temps d'aller plus loin. Je crois que la vie elle me met au test. Je ne suis jamais parti seul à l'aventure plus de 5 jours. Je ne me suis jamais imposé autant de restrictions. Je n'ai jamais autant été en situation de survie. La seule chose que je sais, c'est que plusieurs dizaines de personnes l'ont fait, alors pourquoi pas moi? Ouais, petite frayeur. La seule différence, c'est que je serai totalement seul et non supervisé. Ici, personne ne prendra de décision pour moi. Ça fait 2 jours que j'ai le bide en vrac, là. De nombreux scénarios catastrophes sont possibles, que ça soit dans la mer ou sur Terre. Mais au-delà de tous ces dangers, ce qui m'effraie le plus, c'est moi. Franchement, je me demande s'il n'y a pas un signe, en fait, qui dit que l'aventure doit s'arrêter là. J'ai peur de ne pas avoir le courage d'abandonner, de m'entêter et aller au bout de ce défi à tout prix. Faut-il dépasser ses limites pour apprendre à les connaître? Heureusement que je sais que j'ai que 10 jours à tenir. C'est dans ce cadre de rêve que je m'apprête à vivre le pire. Je m'attends à être rongé par la solitude, à éprouver la faim jour après jour. Mais au-delà de ça, je devrais apprendre à cohabiter avec un environnement naturel inconnu, source d'opportunités d'exploration incroyables, mais aussi de surprises inattendues. Thank you, Frank, for saving my life. Seul sur cette île, le moindre faux pas ne sera pas permis. En partant, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais après cette aventure, je peux vous dire que c'est une autre personne qui en est revenue. J'ai vraiment jamais eu d'émotion comme ça en conclusion d'une vidéo. Ça montre vraiment que là, je suis au bon endroit. Cela fait plus d'un an que chaque jour j'avance vers ce rêve, et c'est maintenant l'heure du grand saut. Le jour du départ, je suis terrifié. Tout s'agite en moi à douter de la décision que je suis sur le point de prendre. Mais j'ai traversé le monde et fait trop de sacrifices pour ça, alors je dois faire taire la part de moi qui essaye de me protéger si je veux garder mon sang-froid. Être un naufragé volontaire est probablement difficile à comprendre pour cette partie animale en moi. Mais le sens de nos vies a changé. Je suis devenu aventurier davantage par nature que par choix. J'ai ce besoin d'aller au bout de mes idées et d'apprendre de ces expériences. Bon bah ça y est, le bateau est parti et l'île est à moi. À mon arrivée, je me sens comme un enfant à Disneyland où je n'ai qu'une envie, c'est de voir ce qui se cache sur cette île. Mais je sais que ça va vite être la galère parce que la météo est instable, alors il faut vite que je trouve l'endroit où je vais m'installer. Alors je pars en exploration et là, dès le début, franchement c'est le coup de foudre. Je vois ces arbres qui poussent sur les roches, l'eau bleue turquoise tout autour et cette jungle avec des lianes dans tous les sens. Ma première impression, c'est que cette île dépasse toutes mes attentes. Je suis vraiment émerveillé et le pire, c'est que ce n'est que le début. Wow, c'est incroyable, regardez. Il y a une espèce de grotte là au plein cœur de l'île. Je sais pas encore si je pourrais y aller, mais en tout cas, il y a une exploration à faire là-bas. Peut-être là, descendre. Ou alors c'est là par les branches. Descendre, ok, mais après c'est comment monter, quoi. Je suis content parce que je pensais que c'était être une énorme jungle. Oh putain, d'araignée encore. Oh putain, les gars, j'étais pas bien. Putain d'araignée là, en plein milieu. Mais la roche et les racines sont omniprésentes, laissant peu d'options à un coucher confortable. Dans la précipitation, j'ai oublié mes batteries de rechange avec mes affaires, mais ce n'était pas le moment idéal pour m'étendre. J'aurai le temps de vous présenter mon île en détail par la suite. Je viens de trouver cet endroit qui pourrait être pas mal. Et en fait, il y a juste cet arbre mort là au milieu. Ce qui fait qu'en fait, ça peut me servir pour le feu. Et une fois que je le dégage, en fait, ça serait clean. Difficile de déterminer l'endroit parfait. Je passe pas mal de temps à hésiter. J'aimerais trouver l'endroit idéal pour ces 40 jours dès maintenant.
mais je laisse finalement mon côté perfectionniste de côté et me décide à rester ici cette nuit. Bon bah pas si mal pour un premier camp. Le seul problème c'est qu'il y a des petites fourmis. Mais bon, c'est pas du genre à tout découper, c'est des petites fourmis, donc on verra si c'est chiant, au pire je changerai demain. Initialement, j'avais prévu cette aventure en mode survie complet. Mais cela fait une semaine que je me préparais sur une île voisine. Et constatant les déluges nocturnes, je me suis accordé deux éléments de confort. Une bâche qui m'apparaissait indispensable, surtout pour la survie de mon matériel vidéo. Et une pierre à feu, parce que dans un environnement humide, le feu par friction est quasiment impossible. Et qu'il est indispensable à mon alimentation. L'idée étant ensuite de développer mes compétences en survie et d'apprendre à faire sans. Avec le début de cette nuit, j'ai récupéré pas mal d'eau. J'avais juste posé la casserole comme ça ici et elle est quasiment pleine. Il y a un litre. Donc un litre sur un petit diamètre comme ça. Je vous laisse imaginer ce que c'était cette nuit. La météo m'aura épargné une installation difficile, mais ça y est, l'aventure a commencé. Peu importe les conditions, je dois tenir 40 jours. Au réveil, j'installe mon panneau solaire qui doit me servir à charger tout mon matériel vidéo et mon appareil de communication satellite. Ce thermosat me permet aussi de confirmer mon choix de camp. Être abrité du vent par les montagnes et la jungle s'avère judicieux. Ce sera de la logistique en plus pour accéder à la mer, mais je vais rester ici pour le moment. Et donc maintenant que cette décision est prise, on s'attaque à l'abri tout de suite. Et donc là il est midi, je me suis levé à 6h, donc à peu près 6h de boulot. Il va être temps de voir ce qu'on mange ce soir. Au moment de me lancer, je constate que les eaux s'agitent à la sortie de la crique. Au-delà des requins et autres dangers dont l'océan regorge, c'est bien le courant qui m'inquiète particulièrement. Si je me fais embarquer, je sais que je ne pourrai lutter, et l'idée de me retrouver à flotter au milieu de l'océan Pacifique m'angoisse réellement. Je suis stressé, mais je n'ai pas le choix, il n'y a qu'un seul accès à la mer, alors je pars dans l'idée d'explorer, d'avoir mes premières sensations sans me mettre de pression. Je n'oublie pas que mon tableau de chasse n'est que de deux poissons, j'ai encore tout à apprendre. Dès la mise à l'eau, je me sens comme dans un aquarium. La visibilité est incroyable, l'eau est fraîche mais largement supportable. Je nage tranquillement pour repérer les environs quand j'aperçois un nuage de sable qui m'interpelle. Une raie de plus d'un mètre de diamètre que je laisse bien évidemment tranquille avant de poursuivre mon exploration. Très vite, je constate aussi que je suis surveillé. Il semblerait que je doive cohabiter sur ce récif. J'observe son comportement pour déceler ses intentions. Je reste confiant et ne le quitte pas des yeux. J'ai l'impression qu'il me teste en s'approchant de moi. En tout cas, maintenant, les présentations sont faites, mais ce ne sera probablement pas notre dernière rencontre. Bon, un maigre résultat, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ma plage est mince, mais comme toutes les plages du monde, elle n'échappe pas aux déchets qui s'y échouent. L'occasion pour moi d'étoffer mon stock de matériaux qui pourront m'aider par la suite. Et donc j'ai trouvé du filet. J'ai trouvé aussi pas mal de noix de coco. Donc je sais pas si elles sont bonnes parce que je pense qu'elles proviennent pas de cette île-là. Donc peut-être qu'elles ont dérivé, elles ont été emmenées là par le courant. Et ça, ça va être mon assiette. Puis la taille du poisson. La clé, c'est le rationnement de ma nourriture. 1 kg de riz représente 25 grammes par jour. C'est peu, mais c'est mieux que rien. J'ai aussi trouvé ces fruits jaunes qui s'apparentent à des citrons, mais je ne veux pas faire de déduction hâtive qui pourrait être dramatique. On dirait un citron bas de gamme en fait, avec énormément de
de peau en fait, comme si nos citrons avaient juste beaucoup plus de pulpe, parce que ça sent vraiment l'agrume. Je recrache tout comme ça, au moins je sais que ça, c'est pas dans mon estomac, et si dans 2 heures il se passe quelque chose, ben du coup c'est que c'était pas comestible. Et sinon, bah voilà, je le mangerai avec mon poisson, donc je vais attendre tranquillement. Là, j'ai un pot de beurre de cacahuète, que ça, je me garde pour après le 20e jour. Je me suis dit, c'est un peu mon jeu de confort une fois au milieu de l'aventure. Après, j'ai un pot de sucre blanc. Ça, c'est plus en cas de coup de mou, en fait. Je me suis dit que ça allait me redonner un peu de peps rapidement. Et là, j'ai une bouteille d'huile de coco que j'ai pris principalement pour en mettre sur mon matériel, notamment métallique de plongée et de pêche, pour pas qu'il rouille et qu'il soit complètement pourri en fait. Donc je sais pas à quel point le fait de pas pouvoir les rincer va les endommager, donc j'ai pris ça. Et voilà ce que ça nous fait. Petite casserole en plus. Bon bah voilà, hein. Bon appétit. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Aujourd'hui, je décide d'essayer d'améliorer mon abri. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de cocotier ici qui me permettrait d'entresser le feuillage pour me construire un abri fiable. Alors, je décide d'évoluer vers une version hybride pour le moment. Bon, voilà en gros à quoi ça ressemble. Mon seul doute, c'est qu'il y a un gros trajet de fourmis au milieu. Mais bon, il y en avait là aussi. Donc, je vais tester, puis on verra bien. Je n'oublie pas que ce n'est pas une course. Alors, après l'effort, le réconfort. Rien ne sert de me précipiter, le travail reste avant tout un passe-temps. Ben je vous jure que ça a l'air beaucoup plus facile à ouvrir quand c'est un Fidjien qui le fait. Ouvert. Le verdict. Ah ouais, grave bonne. Le jus, il n'est pas du tout fermenté. Parfait. Après m'être aventuré à la chasse, je me lance à la pêche, mais sans me presser. Personne ne m'attend et je ne suis pas inquiet de ma survie à ce moment. En survie, il y a cette règle de 3 qui dit qu'on peut survivre 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. J'ai donc la moitié de l'aventure pour devenir autonome et pouvoir subvenir à mes besoins par la suite. Alors à ce moment, c'est simple, je n'ai qu'une idée en tête, attraper un maximum de poissons et trouver ce qui fonctionne. Là, je vois 3 poissons qui suivent le leurre, mais ils ne le chopent pas. Après cet essai infructueux avec les leurres, je m'essaie à la ligne de main sur laquelle j'utilise des Bernard Lhermitte comme appât. Et la première prise ne se fera pas attendre. Oh, ça m'a pris une minute. Mais je décide de réutiliser la tête de ce poisson pour voir plus grand. Et peu de temps après, la chance me sourit à nouveau. Bah voilà! Ça valait le coup de rejouer ma mise. Je crois que j'ai gagné une sèche ou quelque chose dans le genre. Ça doit être gourmand. Cette opération chez le dentiste, la lutte n'est pas prêt de s'échapper. Hein. C'est avec un sentiment de victoire que je rentre au camp baigné de cette lumière paradisiaque. À ce moment, rien ne semble pouvoir se mettre en travers de mon rêve de survie, mais je sais que la route est encore longue. Bon bah voilà, encore une journée qui joue en ma faveur, avec un beau poisson. On va voir comment se passe la nuit là dans ce nouvel abri, et voir aussi peut-être créer un fumoir pour essayer de conserver le poisson. Face à mon efficacité du jour, j'imagine déjà comment améliorer ma productivité pour réduire mon travail ou accroître mes rations. Mais je ne me rends pas compte que je vise un début d'aventure utopique et que ça ne sera pas si facile que ça. Manger un poisson entier avec les doigts, c'est quand même une expérience. Et je constate aussi mes premiers désagréments. Bon, les leçons de la nuit, en fait, c'est que comme ça, alors en fait, il fait un peu plus froid, du coup, je vais essayer de voir pour combler
les côtés, mais aussi que mon corps n'a pas du tout digéré la noix de coco d'hier, qui a sorti littéralement en coco râpé. Je savais que ça avait un pouvoir laxatif, mais j'avais jamais eu cet effet à ce point, parce que pourtant elle était très bonne en goût en fait. Ce qui est chiant en fait, c'est que j'ai pas fait trop gaffe et le premier jour j'ai laissé les restes de poisson dans le feu. En fait mon feu était là et du coup il y a plein de mouches. Donc ce qui fait que là maintenant j'entends un bruit constant de mouches. J'ai avec moi 5 mètres de paracorde pour ma bâche et l'équivalent en réserve. Pour le reste j'utilise de l'écorce d'arbre récoltée lors de ma préparation au village. Donc là j'ai fait une structure en triangle et je vais y mettre les feuilles au-dessus, donc comme ça va être dans la continuité de la bâche. Mais rien que ça, ça m'a déjà épuisé, donc je vais peut-être me lancer sur un autre chantier. Je crois que je viens de faire une invention. J'appelle ça la poubelle. Ça te permet de mettre tes déchets et d'éviter qu'il y ait des mouches qui squattent ton camp après. Mais j'ai aussi un poisson frais encore. Et donc c'est reparti pour le petit rituel, mais je bouge le feu de place aussi. Parce qu'après l'expression « tu chies pas où tu manges », bah il y a aussi l'expression « tu cuisines pas là où tu dors ». Voilà à quoi ressemble mon nouveau coin cuisine. Poubelle, le siège, très important, parce que manger accroupi c'est insupportable. Et là plus le temps passe, plus il va falloir que je me libère du temps, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre la survie justement sans les éléments matériels que j'ai amenés, parce que là par exemple j'ai perdu un hameçon, ce qui veut dire que si je les perds tous, bah derrière en fait je peux plus pêcher. Donc l'idée c'est de trouver mes bases avec les équipements que j'ai amenés, comme le fire steel, la bâche, etc., mais de m'en libérer petit à petit. Putain ouais, après le hameçon que j'ai perdu tout à l'heure, là il y a ma machette, en fait il y a deux vis qui sont déjà parties. Là je me dis, ça fait 4 jours à peine, donc je ne peux vraiment pas me permettre de continuer à ce rythme. Préserver mes équipements, ça devient vraiment une priorité. Je prends vraiment conscience de la fragilité de mes conditions de survie, parce qu'en quelques jours à peine, je vois déjà les premiers signes de défaillance. Le tarp, il suffit qu'il y ait une branche qui tombe dessus, il se perce. Tous mes équipements qui rouillent ou qui prennent la pluie, ben c'est pareil en fait, ça peut partir du jour au lendemain. Et sur 40 jours, du jour au lendemain, il y en a beaucoup. Être dans ce nouvel environnement me fait réaliser à quel point nous sommes créatifs quand il s'agit de trouver des solutions pour notre confort. Ce soir, je tente de m'isoler du sol et des fourmis en faisant un tapis de feuilles, et me voilà parti pour une nuit de test. Ce qui me fait rêver en ce moment, en fait, c'est vraiment mon hamac. Mais bon, voilà, l'idée c'est de venir avec le minimum, donc voilà, pas de regret. Le truc, c'est que sur tout le reste, je vois comment je peux améliorer mon confort, mais là-dessus, en fait, je sais pas comment je peux améliorer mon lit. En fait, les feuilles, ça a pas fait grand-chose, j'ai pas vraiment d'idées qui vont faire que ça sera beaucoup plus confortable. C'est marrant parce que le fumoir, c'est un des trucs que j'ai fait dans mon premier stage de survie en France. C'était peut-être en 2017-2018. Et nous voilà en 2023 où ça nous mène en fait. La confiance acquise lors de mes premiers jours de pêche m'incite à créer ce fumoir dès maintenant. Je pense à reproduire les schémas que l'on connaît d'accumuler le nécessaire pour pouvoir s'adonner à des plaisirs. Remplacer un maximum de travail par du divertissement. Hop, tout simplement. Tissé entre les bâtons comme ça, en S. Et voilà. Je ne pense pas qu'il sera très performant, mais il a le mérite de m'avoir occupé avec plaisir toute une matinée. Mais maintenant, il est temps de le remplir. Et c'est là que ça va se compliquer. Bon bah, bredouille. Hein. C'est un peu frustrant parce que les deux premières fois où j'ai pêché, ça s'est tellement bien passé. Et là, j'enchaîne les pertes d'hameçons. Alors je lance et mon appât il s'en va. Bon, on va retenter un peu au leurre avant la tombée de la nuit. Espérons que ça marche. Ouh. Je crois que c'est un concombre de mer. Ça a l'air bien dégueulasse. Je crois que la vie, elle me met au test. Avec ce concombre de mer. Ah, ça me répugne, rien que de le toucher. On dirait une merde enveloppée dans un sac plastique. Allez, priez pour moi. En fait, l'avantage de ce leurre là, c'est qu'il flotte, du coup il se prend pas dans les coraux. Mais pour le coup, j'ai jamais rien chopé avec ça.
Ah tiens, des visiteurs. Est-ce qu'ils vont accoster ? Il s'agissait d'un couple néo-zélandais lancé dans la traversée du Pacifique qui venait d'ancrer leur catamaran ici pour la nuit. Mais après une simple discussion, il était temps pour moi de passer aux choses sérieuses. Wow. Quand je vois ça, j'ai la vision de Bear Grylls qui est en train de le déchiqueter en le mâchant. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse griller ça, là, espèce de chaussette, et puis on verra déjà ce que ça donne. Parce que ça, ça me dégoûte un peu. Ah, c'est du sable en plus. Ça y est, on y est. L'heure du verdict. Ce délicieux concombre de mer. C'est toujours visqueux malgré que je l'ai fait griller un moment. Ah. Ça a bien le goût de mer. Pas trop de concombre. Petit sable qui croque sous la dent. Je montre ce que ça donne. Ça me fait penser à quelque chose. C'est dur à avaler quand même. Quand tu mâches, c'est un peu salé. Mais avaler, faut se motiver quoi. C'est dur. Je vais remettre à griller un peu. Non, non, promis, je ne m'échappe pas. Pas grand chaud. En fait, j'ai trouvé. C'est entre une huître et un porte-monnaie en cuir. C'est exactement ça le goût. C'est pas si désagréable, mais c'est qu'il faut l'avaler en fait. Sinon ça se mâche pas. Disons que quand tu vas te forcer à avaler, tu sais pas si tu vas le vomir directement ou pas en fait. C'est plutôt ça l'appréhension. Enfin bref, hein. Je vais essayer de finir mais je vous souhaite bonne nuit là-dessus. Au lever du soleil, je m'attelle directement à la chasse, avec toujours comme objectif de remplir le fumoir. Et alors que je rentrais avec un maigre butin, le couple de navigateurs m'ayant repéré au loin est venu me proposer de faire le tour des îles. L'occasion de découvrir de nouvelles eaux et de nouveaux trésors. Et vient mon premier dilemme de l'aventure, parce qu'en fait, la veille, ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose. Alors j'ai réfléchi, mais je ne savais pas par où commencer, tellement je manquais de tout. Mais bon, je restais dans mon aventure, et donc je leur ai répondu que non. Mais en fait, le jour suivant, ils sont finalement venus avec un sachet. Alors ça me déstabilise, parce que je m'y attends pas, et qu'une part de moi veut refuser. Et au fond, je me dis, ça fait partie de l'aventure. Une aventure, ça reste des hauts et des bas, et là, la vie me souriait. Un peu comme un jeu de confort à Koh-Lanta finalement. Et donc là, la récompense, c'est... des bananes. 6 barres de céréales. Quelques hameçons et allumettes. Des nouilles instantanées. Des graines en tout cas, ou des haricots. Mais tout ça ne m'a pas permis de combler mon objectif prioritaire, remplir mon fumoir. Alors je rejoue ma mise, pensant que la chair de poisson sera plus efficace. Et à la mouche là, tellement les fourmis, elles sont vénères, elles n'arrivent pas à se poser. Ah, les fourmis. Elles sont littéralement partout, à l'affût de la moindre nourriture et ne me laissent jamais en paix. Je dors complètement mitouflé pour ne pas sentir les chatouilles provoquées par leur déplacement sur ma peau. Mais je m'estime heureux parce qu'elles ne me piquent pas. Alors j'ai bien essayé de me désensibiliser en restant immobile sur leur trajet, mais rien à faire, alors j'apprends à vivre avec. Dure journée. Matinée de chasse et après-midi de pêche, et en fait, j'ai chopé que 2 petits poissons. En fait, j'ai pris beaucoup de confiance les 2 premiers jours, et là, c'est plus dur, donc je sais pas si je vais pouvoir le tester un jour, ce fumoir. À ce moment, la frustration monte. Je ne comprends pas pourquoi c'était si simple au début et si difficile maintenant. Mais j'essaie de garder le moral, de me dire qu'il ne faut pas que je relâche mes efforts. En même temps, je sens la fatigue déjà bien installée.
Mon corps s'est adapté très vite à mon nouveau régime, passé de 3000 à 300 calories par jour. Tout est plus difficile, je me sens à 30% de mes capacités. Si ça reste comme ça pendant les 35 prochains jours, ça ira. Mais je redoute le coup de fatigue imprévisible. Alors, dans cette petite boîte, on m'a donné cet énorme hameçon. Donc je vais essayer de le mettre avec une tête de poisson et de le laisser là et on verra. Pour éviter de couper la ligne, je vais faire un nœud comme pour mon tarp. Hop. Bon, bout de bois est calé et en fait à 8h du mat' il fait déjà beaucoup trop chaud donc je vais plutôt aller chasser pour me rafraîchir. Dans la crique, les poissons sont assez petits et très méfiants. Je peine vraiment à les approcher. S'il y a quelque chose que j'ai vite appris en chassant, c'est qu'il est inutile de pourchasser des poissons. Ils me voient arriver de très loin et sont beaucoup plus rapides que moi. Alors il faut réussir à adopter un comportement dont ils ne se méfient pas. Les surprendre ou tout simplement les attendre au fond de l'eau, qu'ils soient appelés par leur curiosité. J'essaie aussi d'observer le comportement de mon compagnon de chasse, qui rôde autour de moi prêt à me voler mon butin. Alors je suis vigilant. J'évite de remonter le poisson, l'avoir dans mes mains pour dissuader le requin. Cette fois j'ai de la chance, c'est un poisson que je connais. La truite corail se laisse facilement approcher à portée de harpon, ce qui en fait une cible de choix pour un débutant comme moi. Je décide de vite sortir pour ne pas attirer d'autres requins qui pourraient être plus gros et plus problématiques à gérer. Oh, ça y est, je viens de mettre le poisson en place. Bon, clairement, il va falloir que j'agrandisse le barbec. C'est une belle journée et je t'aime. Mais en attendant, il y a un projet qui me rend très enthousiaste. Cette fois, les filets trouvés sont de taille suffisante pour tenter de me confectionner un hamac, qui, je l'espère, tiendra sous mon poids. Alors, à nous. Je teste. Ah, ça craque. Pour l'instant, mon cul touche le sol et ça craque, mais bon. Oh. J'ai une amélioration. Ça y est, enfin une ration qui allait me combler l'estomac et me permettre de tester le fumoir. Et voilà. Tu es vraiment bon. Mais si tout était aussi simple, ça serait trop facile. Bon, un événement assez dramatique s'est passé cette nuit. C'est pas le retour de la pluie, mais c'est bel et bien le décès du fumoir, qui est passé de fumoir à bûcher en une nuit. En fait, je pense que les feuilles que j'ai utilisées, à l'intérieur, il y a une sorte de sève blanche, en fait, et je pense que c'est ça qui est inflammable. Mais bon, de toute façon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, en fait, parce que rallumer le feu dans le trou, c'était toujours une galère. Au final, la fumée, elle s'échappait ultra facilement du truc. Donc j'ai quand même sauvé le poisson et j'essaierai de le manger tout à l'heure, je vous le montrerai. Mais bon, priorité à l'optimisation du hamac et de son test. Là, pendant cette pause, c'est la première fois de l'aventure où je prends du recul et que je constate vraiment mes fluctuations d'émotions. Dans ma tête, un gros poisson, c'est le plus beau cadeau de ma vie et pas de poisson, franchement, je suis dégoûté. Alors, je veux essayer de réguler ces émotions parce que j'ai peur qu'un coup dur puisse me mettre dans un état de déprime. Et je sais que dans tous les cas, physiquement, ça va être difficile, je ne vais jamais manger à ma faim. Alors, je veux vraiment, c'est préserver mon état mental en me disant que si là-haut, tout va bien, alors le corps suivra. Alors j'essaye d'intégrer que la norme c'est de ne pas manger et que tout ce que la nature m'apporte c'est du bonus. Mais bon, beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Et donc là, j'ai envie de repartir en exploration, me faire plaisir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait une semaine que je suis là, mais que je reste entre mon camp, le spot de pêche et la plage, et qu'il est grand temps de retourner faire un petit tour. Cette île ne ressemble en rien avec ce que j'imaginais. Peu de sable, pas de cocotiers ni de plantes comestibles. Mais à la place, elle a une âme mystique avec ses grottes et ses arbres. Waouh ! Sans déconner, ces arbres rentrent vraiment dans les plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Cette île m'a choisi plus que je ne l'ai choisi. Les rencontres et le destin m'ont amené ici, et ils n'auraient pas pu mieux faire. Cette exploration me ramène à l'adolescent qui consomme son temps libre sur les jeux vidéo à explorer ses mondes virtuels. Je me suis souvent demandé si je n'avais pas perdu mon temps devant les écrans, alors que j'aurais pu apprendre et faire des tas de choses pour me construire. Mais je réalise que je suis en train de rendre le plus grand hommage à cette vie qui m'a choisi, à me dédier à l'exploration des profondeurs de la vie et de l'immensité de notre monde. Je veux dire, c'est vraiment les montées. Avec la sous-alimentation, franchement, dès 3 marches, je sens les cuisses qui brûlent et je m'essouffle super vite. Le premier jour, j'avais vu un serpent de mer dans un de ses trous. Mais j'avais échoué lamentablement à le tuer pour le manger. Du coup, je regarde s'il n'y en aurait pas un nouveau là. Je pense que je vais plus aller là-bas parce que vraiment ma priorité maintenant, ça va être aussi de préserver mes chaussures parce que déjà qu'elles sont arrivées pas dans un très bon état, mais là avec ces roches coupantes, rien que pour aller à la plage, il y a déjà pas mal de rochers et tout, donc je mets quasiment tout le temps les chaussures. Donc c'est vraiment l'objet clé de ma survie ici. Nourriture. Il y a ici une nourriture. Nourriture, tu vas où? Bon, je vous rassure, je n'ai pas encore faim à ce point, mais à l'avenir, qui sait. Putain, les gars. À un moment, je voulais faire une blague en mode avec ma machette, on joue souvent à cache-cache. Parce que c'est vrai que tu vois, je la trimballe partout. Et après, tu la poses à gauche, à droite. Bah là, en fait, j'ai fait ça, sauf que c'est en plein milieu de l'exploration. Donc là, elle est quelque part sur l'île. Et il faut que je la retrouve. Putain, je peux pas faire ça. Oh, fais chier, putain. Oh non, putain. Aucune idée d'où je l'ai mis, là. Oh, la galère. Là c'est pas le coup de machette mais le coup de massue parce que je me vois vraiment pas faire sans la machette. À mes yeux c'est indispensable. En plus là je suis à l'autre bout de l'île, un bon 30 minutes, une heure de marche du camp, donc si je dois revenir tous les jours pour la chercher, ça va me coûter beaucoup d'énergie. Alors là c'est concentration extrême, je passe en mode survie dans la survie. J'ai regardé les vidéos que j'avais sur mon appareil, apparemment je l'ai jusqu'aux roches coupantes, donc il faut que j'arrive à retrouver cet endroit. Mais là, je sais pas trop où je suis, parce que comment se repérer, où savoir où on est dans une jungle, même si c'est une île qui fait que quelques kilomètres carrés. Là, je retrouve pas le spot, c'est un truc d'ouf, comment je tourne en rond. Ah putain, yes. Je me souviens, je suis venu là, il y avait un truc bleu, qui est toujours là. Donc elle doit être quelque part par là. Je venais dire que j'allais plus me retrouver dans ces roches coupantes. Et bien voilà, une heure après. Ah, j'ai retrouvé mes deux biquettes aussi. Donc ça doit vraiment être dans ce coin-là. Ah putain. La galère que c'est. Les trous. Putain, mais non! J'étais bon là-dessus. J'ai eu le temps de me faire tous les scénarios dans ma tête, j'étais déjà prêt à faire 100 ou je sais pas comment. Et j'imaginais tellement pas la retrouver, tellement pas. Dans Koh-Lanta, il y a les colliers ou les poignards, bah en fait, là c'est pas un poignard, c'est une machette. Donc j'ai eu ma petite épreuve de recherche. Vous vous souvenez des citrons du début que je vous avais dit que j'avais trouvé le premier jour? J'avais un peu peur que ça fasse mytho et là je suis bien content parce que je viens de retomber dessus. Regardez, là, là.
Il y a plein de petits citrons. Et le truc, c'est que quand je regarde au-dessus, j'en vois pas. Donc je sais pas trop d'où ils viennent. Mais là, maintenant que j'ai un sac, je vais pouvoir en prendre plus. Retour au camp. Et là, franchement, j'arrive, forcément, je me pose direct dans le hamac. Et je me rends compte que ça fait une telle différence. C'est comme quand t'es chez toi, forcément, tu te mets dans le canapé quand t'es un peu crevé. Avant, si j'étais un peu fatigué, je pouvais me mettre par terre et c'est tout. Et là, en fait, le hamac, ça fait vraiment une différence. Mais au-delà de ça, j'arrêtais d'avoir des fourmis de partout. Alors, je peux vous dire que ce hamac, c'était une bénédiction. On va voir ce que ça donne le poisson. Ma méthode de conservation pour éviter les fourmis, un fil de pêche. Je suis tellement content aussi de ne pas avoir à faire à manger parce que en vrai, allumer le feu, cuire le poisson et le manger, ça me prend limite plus de 2 heures, quoi. Là, ça se présente comme un bon ribs bien grillé. J'espère que c'est pas trop cramé. Ça avec la peau qui a brûlé et du coup, le poisson il est bien sec. Il faut plus mâcher, mais pour le coup, ça fait le taf. Le jour suivant, il pleut en continu et je me retrouve absorbé par le confort du hamac, hypnotisé par la chaleur et les lueurs dansantes de mon feu. Pas de chasse, ni de pêche, de construction ou d'exploration. Je ressens ce pouvoir magique relaxant de la pluie qui me plonge dans mes pensées et me déculpabilise de ne rien faire. Ici, rien ne m'attend, alors je me laisse aller. Je prends le temps d'écrire ce qui me passe par la tête et laisse cette journée défiler d'elle-même. Je vis cette inaction comme une première victoire dans cette bataille contre ma peur d'échouer face à ce défi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi, mais aussi pour cette aventure. Parce qu'au-delà du fait que ce soit mon anniversaire, en fait, le jour hier où j'ai rien fait, ça m'a montré un peu que j'ai déjà commencé à m'adapter. Et du coup, mentalement, ça m'a fait un peu bizarre, une sensation de se dire qu'en fait, j'avais peut-être déjà vu un peu ce que j'avais à voir. Et là, c'est l'angoisse qui monte parce que jusqu'à présent, j'étais dans ce tunnel. Tu construis des trucs, tu attrapes des poissons et tu ne te poses pas de questions. Mais là, je sens qu'une part de mes appréhensions liées à la survie se sont dissipées. Donc j'ai littéralement peur de m'ennuyer à mourir alors qu'il me reste encore 30 jours à tenir. Et je me dis qu'en fait la vraie aventure elle est peut-être là, plus sur l'aspect mental de l'isolement et de la solitude que de l'aspect physique de la nutrition. Donc ma stratégie c'est d'éviter de gamberger et de rester actif au maximum en continuant ma routine. Et dans tous les cas, peu importe le résultat d'aujourd'hui, je me réserve une petite surprise, un petit cadeau pour ce soir. Ah putain! J'ai laissé ça 2 jours. C'est les restes de poisson. Waouh, comment ça va vite, c'est horrible, c'est dégueulasse. Bon, la pêche automatisée, c'est raté. Les coraux auront eu raison de ma ligne en nylon. Parce qu'en fait, ma galère, c'est de trouver des appâts parce que tout ce qui est escargot, etc., il n'y en a pas sur les roches. Donc je trouve des Bernard Lhermitte sur la plage, mais en soi, c'est tout, quoi. J'aurais peut-être pas dû jeter les vers, mais bon, ça me dégoûte vraiment. En fait, tout n'était pas parti à l'eau. Ah, c'est horrible. Ah, regardez-moi ça. Mais je pense en fait que mon hameçon est trop gros, mais bon, on va quand même essayer. Regardez-moi ces eaux bleues turquoises. Bon, la nature m'a pas fait un très beau cadeau d'anniversaire. Mais en fait, à la base, j'avais prévu de manger ça. C'est les nouilles instantanées. Je mange jamais ça en France. Et en fait, je sais que ça va me faire du bien de ouf parce qu'il y a le bouillon, les petites épices, etc. Et c'est ce qui me manque vraiment le plus. Et je trouve ça marrant de me dire qu'à chaque fois que je verrai ça, ça me rappellera mon anniversaire. Mais bon, en fait, je pense que je peux encore m'en passer. Et il me reste une banane. Enfin, on va se faire un petit truc sympa, même si ça va pas être très gros. Pour le seul repas de la journée, ça sera déjà ça. Et là, je pense qu'il m'arrive un des trucs les plus incroyables de ma vie. À peine fini de manger, je m'allonge dans le hamac et à la tombée de la nuit, j'entrevois une fusée de détresse au loin. Mon premier réflexe, c'est de me dire que dans ma position, je peux pas vraiment aider un bateau qui sera en feu ou en train de couler. Mais bon, je vais voir quand même par curiosité. Alors je me rends à l'endroit où je pêche pour avoir une vue dégagée sur la mer
Et là, en fait, il y a un gars qui m'interpelle. Et là, au fond de moi, je panique parce que dans ce contexte, c'est comme si quelqu'un était entré chez moi par effraction, comme si je trouvais quelqu'un dans mon canapé, en fait. Et il me dit, t'es qui? Je dis, bah, toi, t'es qui? Et ça en anglais, bien sûr, mais en fait, on est tous les deux surpris. Alors, je discute avec lui. What happened to your boat? Oh, my boat, what is the... It sink? Huh? You hurt reef? The water come... Inside? Ah, okay, so you broke it? Yeah. Ah, okay, let's see it. Et en fait, il n'a aucun moyen de communication. Du coup, j'essaye de contacter des secours pour lui avec mon appareil satellite, juste avant qu'on aille voir son bateau. Et c'est marrant, il avait tout un tas de boîtes de conserve françaises qu'il avait récupérées d'un autre bateau qui avait fait naufrage lui aussi. Oh yeah. Thank you, Frank, for saving my life. Thank you, God. Alors une fois qu'on avait fait connaissance, je lui ai proposé de l'héberger au coin de mon feu. Et je peux vous dire que c'est un anniversaire que je suis pas prêt d'oublier. Yeah, I just eat fish, you know, but with nothing, so sauce is very good. Okay. Comme avec un plat de noodles. Le lendemain, il me réveille aux aurores. Je n'ai pas l'habitude de me lever si tôt. Les nuits sont fraîches et je passe mon temps à entretenir le feu, alors je ne dors que par épisode et le matin fait souvent office de grasse matinée. Un moyen aussi de passer le temps. Je ne me lève que si j'en sens le besoin ou si l'ennui commence à s'installer. Mais très vite, ses amis viendront à sa rescousse et ce sera déjà la fin de notre aventure commune, moins de 24 heures après son naufrage. Je pense que vous venez d'assister au naufragé qui a eu le plus de chance dans l'histoire du monde. Je me retrouve face à son épave abandonnée sur ma plage, me demandant comment je pourrais l'exploiter. Mais je n'ai pas d'idée, alors je décide d'isoler certaines parties, laissant le temps à ma créativité de faire son travail. J'ai utilisé les filets précédemment trouvés, mais il me reste des bambous, et j'ai maintenant une bouée, des gouttières, du plancher et des assises de bateau. Il aurait eu le temps de pêcher deux poissons qu'il m'a offert en partant, ce qui m'ôte la responsabilité de mon travail du jour. Alors je vais essayer d'apprécier pleinement cette journée, essayer de tromper mon cerveau afin qu'il s'imagine en vacances sur une île paradisiaque. Ah oui, et je vous ai pas dit en fait la dernière fois en allant écouler une noix de coco, parce que voilà, la digestion c'est toujours moyen. En fait, je me suis rendu compte que juste là c'était un des pics de l'île. Et du coup, de là il y a moyen de voir un coucher de soleil, donc je l'ai pas encore fait parce que j'attendais qu'il fasse beau. Et aujourd'hui, ça peut être l'occasion, donc je vous emmène juste après avoir mangé ça. En plus de la sauce, il m'aura laissé quelques boîtes de légumes. Ça me paraît être beaucoup au début, mais je réalise qu'habituellement ce seraient mes calories d'une journée. J'ai l'impression que pour ce soir, on est pas mal. Au salé, bien sûr, pour nettoyer. Hop. Allez, le soleil se couche. On se met en route pour la petite escalade du pic. Pas long, mais c'est intense. Ça allait devenir mon petit rituel les jours de beau temps. Au-delà de la magie des couleurs, les couchers de soleil m'offrent des moments méditatifs. En fait, je viens de réaliser que j'aime pas la survie. Mais à la base, je m'étais dit, ouais, après 40 jours, je vais devenir un survivor de ouf, je serai tout faire. Mais en fait, je réalise que
pas du tout, parce que en fait ça m'intéresse pas d'être comme ça. Et je pense aujourd'hui en fait qu'on est un peu trop dirigé par les il faut, je dois, et qu'on cherche pas assez à se connaître. J'ai pas envie d'être celui qui est capable d'allumer du feu avec 18 bouts de bois différents. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement aller vers cette découverte intérieure et la partager pour vous inciter après derrière vous aussi à aller vers ce qui vous appelle. Chacun a ses centres d'intérêt et chacun a ses rêves très particuliers. Mais pour les découvrir, il en convient pour moi de suivre sa curiosité assez longtemps pour creuser et déterminer ce qui nous anime vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et c'est sur ça que moi j'insiste auprès de mes coachings et qui m'anime au plus profond, c'est de voir des gens qui agissent parce qu'ils sont inspirés et pas parce qu'ils se sentent obligés. Et cette fois, je mets le doigt sur une des difficultés principales de nos vies, cette quête sans fin d'apprendre à se connaître et d'oser se découvrir. Je réalise que ma passion pour la nature et le développement personnel m'a régulièrement orienté vers la survie. J'ai même fait des stages en Amazonie et en Afrique du Sud qui m'ont beaucoup apporté, même si je sentais que je n'étais pas totalement épanoui dans ces expériences. Cette fois, je comprends que j'aime être livré à moi-même, faire à ma façon, ne pas suivre les sentiers battus et me sentir libre d'explorer ma curiosité. Comprendre ça aura un impact certain dans mes futurs projets et prouve déjà la richesse de cette aventure, à peine au quart de son terme. Ah, c'est horrible, en fait, toutes les nuits, je dors pas, il fait super froid. En fait, je dois dormir peut-être de 20h à minuit, même pas, et après, toute la nuit, j'ai froid. Parce qu'en fait, sous le hamac, tous les vêtements sont compressés, ce qui fait qu'en fait, je sens l'air complètement sous moi. Ce matin, la créativité a parlé, et rien de tel qu'un peu d'exercice pour se réchauffer. Mais mes compétences en bricolage étant assez limitées, je me contente d'y aller à l'instinct et d'apprendre de mes échecs. Je vous présente ce que j'ai appelé table, qui va aller particulièrement bien avec mon petit fauteuil. Oh ouais. En fait, là, l'idée, c'est de passer le moins possible de temps accroupi parce que c'est super désagréable de une, et de deux, en fait, je commence à avoir des vertiges genre une fois sur trois, ou quand je remonte, franchement, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je sais pas si elle va être super stable. J'ai dû creuser à peu près ça pour les enfoncer. Parce que les finitions, c'est un peu approximatif. Mais ouais, je suis assez fier. Cette table me fait entrer dans un certain luxe et je comprends que j'ai dépassé mon minimum nécessaire à une survie confortable. Mais je continue ma routine et grâce à mon ami naufragé, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des coquillages, mais que je n'avais simplement pas assez cherché. Niveau pêche, c'est toujours délicat, je n'attrape rien avec mes leurres et je ne trouve pas le succès des premiers jours. Je continue de développer mes compétences en chasse, où je prends beaucoup de plaisir même si ça me demande d'investir plus d'énergie. J'aime ce challenge d'essayer de tromper mes proies en adoptant une attitude désintéressée. Contrairement à la pêche, on les a en contact visuel, mais le résultat est tout aussi hasardeux. Autour de moi, il y a de nombreux poissons, mais ils sont petits et peuvent rapidement se cacher. Les plus gros restent en dehors de mon champ de vision, mais c'est bien eux qui m'intéressent. Alors, je patiente. Une apnée efficace repose avant tout sur la relaxation, apprendre à diminuer son rythme cardiaque, et d'autant plus en chasse, où les poissons peuvent sentir si notre thorax bat la chamade. Au fond de l'eau, mes émotions sont mixtes. C'est à la fois excitant et apaisant. J'observe les poissons dans ma vision périphérique en espérant qu'ils s'approchent et passent devant moi. Mais en même temps, je fais le vide. Je me détends et profite de cette sensation de légèreté unique qui me donne envie de rester au fond. Cette fois, c'est raté. Mais je continue de croire en mes chances en gardant en tête que j'ai 10 mètres d'eau au-dessus de moi et qu'avec mon organisme diminué, je dois faire très attention. Le risque principal d'une apnée trop longue, c'est le blackout. Quand le cerveau n'a plus assez d'oxygène pour fonctionner, il passe tout notre corps en mode veille de façon imprévisible, comme endormi. Et dans l'eau, c'est synonyme de noyade à coup sûr. Mais là, le dîner était trouvé. Alors niveau chasse, c'est plutôt satisfaisant, mais en parallèle, la pêche, ce n'est que galère et frustration. Je perds des hameçons un par un, je passe des heures au soleil à rien attraper, mais bon, j'insiste et je continue. Jusqu'au jour où, en pleine partie de pêche, je suis une nouvelle fois interpellé et comme la dernière fois,
c'est la panique. Mais là, c'est un gars que j'avais rencontré au village, donc je suis rassuré. Et il m'invite à manger avec ses amis, collègues pêcheurs. Donc je passe un moment avec eux, et même si je comprends pas tout ce qu'ils racontent, je me rends compte à quel point avoir des humains en face de moi, ça change mon état interne. Alors je finis par leur montrer mon camp, et ils me disent qu'ils vont rester 2 nuits, principalement pour ramasser des concombres de mer qu'ils revendent. Et de fil en aiguille, ils me proposent de venir avec eux cette nuit-là. Finalement, je sais pas si c'est vraiment un cadeau en fait. Je pourrais rester là tranquillement au coin du feu et là je vais me retrouver en mer. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de vent que ça avec les vagues. On va partir 4 heures. Je sais que je vais revenir complètement gelé, donc j'espère vraiment que le feu va pas s'éteindre d'ici là. J'ai jamais plongé de nuit, donc je sais que pour moi ça va être une vraie expérience, donc c'est pour ça que j'y vais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout seul, j'aurais jamais testé ça. Au moment d'arriver à leur camp, je me rends compte que j'ai bien fait de m'installer dans la jungle. Le vent est intense, les vagues agitent la crique habituellement calme. Je suis inquiet, mais je ne le montre pas. Je leur fais confiance, je m'accroche, j'essaye de ne pas les gêner. Nous arrivons à plusieurs centaines de mètres des côtes, là où ils se décident de se mettre à l'eau pour remonter la barrière de corail. Ça y est, je me jette. La température de l'eau saisit mon corps, je suis déboussolé. Je n'ai pas mes repères, je ne sais pas à quoi m'attendre, et c'est pile à ce moment-là qu'un requin passe sous moi, comme on l'imaginerait dans un film d'horreur. Je calme ma respiration, commence à les suivre, et petit à petit, la peur laisse place à l'admiration. C'est nouveau, c'est incroyable, je suis comme un enfant, je m'amuse de ces jeux de lumière. Je découvre un autre monde que j'explore avec ce qui s'apparente à un sabre laser géant. Ils chassent principalement la nuit parce que les poissons sont endormis et plus faciles à attraper. Ils ne sont pas en quête de trophées, mais simplement d'un maximum de poissons pour nourrir leur famille et gagner leur vie. Je suis impressionné par la façon dont ils scannent les fonds marins et plongent chacun leur tour, ne remontant jamais les mains vides. Ils sont tellement efficaces que mon corps affaibli peine à suivre leur rythme effréné alors que je ne chasse pas. Quand je suis seul, je prends mon temps pour observer. Ici, ils savent ce qu'ils ont à faire et le font efficacement. Le temps passe et je m'épuise, mais ne sachant pas où se situe le bateau, je concentre l'énergie qu'il me reste pour palmer en attendant qu'il se décide à remonter. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que le temps est notre ressource la plus précieuse. Mais ici, il semble se décupler, alors que je voudrais qu'il se consume plus rapidement. Pourquoi le temps semble constamment aller à l'opposé de nos envies? Est-il la raison de notre abonnement à la salle de sport non rentabilisée? De notre fatigue qui s'accumule? De nos projets qui n'avancent pas? Ou des moments en famille ratés? Ou serait-il la victime idéale de notre incapacité à établir nos priorités? Il est facile de nous comparer, voir ce qu'il nous manque pour être parfait. Alors on en veut toujours plus dans tous nos domaines de vie. Mais comme on dit, choisir c'est renoncer. Alors comment choisir? Encore faut-il savoir ce qui compte vraiment pour nous. Une chose est sûre, je n'ai pas le temps de sortir de mon vocabulaire. Je dois simplement m'avouer que ces choses ne sont pas mes priorités. J'informais les pêcheurs que je souhaitais rester isolé pour vivre ma propre aventure. Et pendant ce temps, je continue d'ajuster mon camp. Mon hamac dévoré par le sel marin montre des signes de faiblesse que je répare à l'aide d'une seringue et du fil de pêche. Une table de chevet fait son apparition, et maintenant je m'attaque au projet d'un plan de travail. Ce truc, je pensais que ça allait me prendre une demi-heure max. Ça va prendre toute la matinée, là je suis épuisé. C'est pas mal là, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà ce que les pêcheurs m'ont laissé en partant. En fait, ils voulaient me donner plein de bouffe qu'il leur restait. J'aurais dit non, non, et ils ont vraiment insisté. Donc j'aurais dit, ah en fait, c'est un morceau de manioc. Et je me dis, comme il n'y en a pas sur l'île, bah c'est cool de tester, de le cuisiner et de le manger parce que c'est un peu iconique des îles désertes. Et je dois dire que de voir les pêcheurs comme ça, ça m'a pas mal inspiré en fait, parce que eux aussi en fait sont dans leur petite aventure de venir sur cette île. Donc certes, ils ont énormément de bouffe et ils ont tout prévu à l'avance. Mais ce qui a vraiment résonné en moi en fait, c'est de voir qu'ils étaient ensemble à rigoler. Et ça, c'est quelque chose qui forcément me manque pas mal dans mes expéditions.
Ces jours de pluie passés dans le hamac me font prendre conscience de la ligne fine entre le repos et l'ennui. Il s'agit de la même action, mais avec une interprétation différente de notre cerveau. Quand je ressens de la fatigue, c'est un signal positif qu'il m'envoie. Alors que quand je suis inactif depuis trop longtemps, je suis poussé dans cet état négatif qui m'incite à agir. La pluie participe grandement à créer ce sentiment agréable de repos, là où le soleil m'énergise à m'en interdire toute oisiveté. Je réalise que chez nous, malheureusement, plus au beau temps, nos agendas sont les mêmes, et nos obligations nous poussent à agir alors que notre énergie interne fluctue inévitablement. Dans ma vie, je me sens constamment dans le besoin d'être productif et ambitieux, mais ici, j'arrive à ne me soucier de rien. Je repense alors aux travaux de Maslow et comprends que tant que mes besoins primaires ne sont pas assurés, le sens de ma vie ici n'est pas un sujet. Alors j'explore ce mode de vie qui se rapproche de celui de nos ancêtres ou au plus proche de notre instinct animal. Je me retrouve à vivre au rythme de la météo, de mon humeur et de mes envies, à écouter les signaux de mon corps, répondre à ses besoins sans influence de tentations externes ni d'obligations, à lui de me dire si je dois aller chasser ou si me nourrir n'est pas une priorité. Bon, tout juste sorti pour faire un peu de bois et c'est décidé, pas de poisson, on attaque la petite noodle cup. Bah, c'est triste à dire, mais qu'est-ce que c'est bon ce petit goût curry, franchement c'est incroyable. Ces jours-ci, il pleut vraiment beaucoup et je passe mes journées dans le hamac à me contenter du minimum. J'ai l'impression de rentrer dans un mode de semi-hibernation. Mais là, l'ennui s'installe assez fortement. Alors je finis par regarder la météo sur mon appareil satellite pour voir s'il prévoit une amélioration. Mais en fait, pas du tout. Et ils indiquent même un potentiel orage. Alors là, je me décide à me bouger pour vraiment passer en mode bunker. Ben voilà, c'est fou comme la créativité arrive quand on en a besoin. Et voilà déjà une journée de gagnée. Mais bon, on va quand même tenter d'aller pêcher. Parce que je suis vraiment pas rassuré. Parce que si jusqu'à présent c'était que du vent et que là, c'est genre deux fois plus. Bon, je suis quand même pas mal protégé. Mais bon, pas rassurant quand même. Le vent monte, mais heureusement, l'autre côté de l'île se retrouve abrité, ce qui me permet de pouvoir pêcher. Bon, ça me saoule, faut vraiment que je me trouve un autre spot de pêche. Ici, j'arrête pas de coincer des hameçons, et par rapport à ce que je chope, c'est pas assez. On va choper un petit poisson, et on va voir ce qu'on va trouver. Ça me rappelle que j'ai toujours pas pris le temps d'explorer ces grottes. Mais bon, priorité à la nourriture. Ah non! Putain! Ça me saoule le truc, il est là! Je suis encore coincé. Et je peux même pas descendre en fait, parce qu'après je peux plus remonter. Bon, ça va, pour cette fois j'ai réussi à avoir. Mais ça me saoule la pêche, c'est de ouf. A la place, on va tenter autre chose, on va essayer de partir chasser du crabe ce soir. C'est un truc de ouf comment c'est facile de se perdre. Ce soir, dans la nuit, il faudrait que je fasse attention quand même, si je veux pas passer toute la nuit dehors. Ah putain, il est là mon chemin. Habituellement, je privilégie de rester au coin du feu une fois le soleil couché, à attendre patiemment de passer à la journée suivante. Mais d'après les pêcheurs, les crabes ont tendance à se balader la nuit et se cacher de jour, alors je décide de tenter ma chance. Je découvre ce plaisir d'explorer ma jungle de nuit. Je me sens chez moi, je n'ai pas peur, je fais simplement attention aux araignées. Mais elles sont davantage visibles dans le faisceau de ma lampe, et je sais qu'en retournant à l'extrémité est de l'île, je retrouverai mon chemin. Alors je ne suis pas inquiet et accepte de me perdre volontiers. Et c'est après une heure à scruter troncs et feuillages que j'aperçois ma cible.
Ouais, il est à peu près la taille de ma casserole. Ils ont des pinces si puissantes qu'ils peuvent arracher l'écorce des noix de coco pour en manger le contenu. Alors bien évidemment, je les manipule avec grande précaution. Le soleil refait son apparition, telle une lueur d'espoir. La pluie commençait à rendre le temps long, en plus d'une impression de moiteur ambiante, véhiculée par l'air frais et humide que mon feu ne parvenait à neutraliser. La pêche m'a beaucoup frustré ces derniers temps, alors je veux en profiter pour me remettre à l'eau. Le courant est toujours aussi présent et illisible, alors je vais devoir faire attention. J'ai de la chance, quand une activité me frustre, je peux passer à l'autre. Pour le moment, je n'arrive pas à garantir de résultats, alors j'essaye de me concentrer sur le moment présent, et de me détacher de ce besoin de manger. Bonne nouvelle, je vous montre. Donc je peux vous dire que ça va être une très très bonne journée. Et en plus de ça, on est le jour 20. Et le jour 20, j'avais prévu de m'autoriser petit beurre de cacahuète. Et je pense d'ailleurs que si j'ai pas mangé de riz jusqu'à là, ou presque, c'est en partie parce que j'avais envie de le manger avec ça. Mais je pense que je vais pas l'entamer aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de poissons. Mais ce que je trouve vraiment incroyable en fait, c'est à quel point je peux être fatigué quand je suis sur terre. Mais en fait, dans l'eau, vraiment tout s'envole en fait. Là, je vais bien quadriller le poisson pour qu'il cuise tranquillou. En fait, je me risque pas au filet parce que j'ai vraiment pas le couteau pour. Et comme ça, en plus, c'est plus facile de vraiment tout manger dans le poisson. En vrai, cette nuit, je pense que c'est la première nuit où j'ai vraiment ressenti la faim énormément et j'y pensais à de la nourriture toute la nuit. Mais c'est fou comme un peu de soleil et un poisson, en fait, ça change complètement la vie, quoi. Ce qui est incroyable, en fait, c'est cette sensation de pouvoir taper dedans et savoir qu'on n'aura plus faim avant que le truc soit fini. Et là, parfaitement grillé. Je ne me lasse pas d'admirer la nature autour de moi, mais je me sens aussi dans l'incapacité d'en apprécier sa vraie richesse. Parfois, je me demande si j'ai atterri en enfer ou au paradis, sans réellement pouvoir en discerner une réponse. Je sais la valeur que ça a pour moi d'être ici, mais je ne peux le ressentir. C'est un peu le syndrome de mes aventures, où le plaisir est toujours a posteriori. Mais vivre des aventures difficiles me donne l'impression d'avoir une vie de vacances. Dans nos vies, on ne pourrait pas être heureux si on ne passait pas par des moments difficiles. Ma chance, c'est que les miens sont choisis. Probablement la plus belle chose que l'aventure m'ait apportée. Mais c'est quand tout ne se passe pas comme prévu qu'il faut savoir faire preuve de sang-froid. Ça fait 2 jours que j'ai le bide en vrac là. Le poisson en fait il est passé mais qu'à moitié. Je sais pas si je l'ai pas fait assez cuire ou quoi. Parce qu'en plus de ça du coup j'ai pas du tout envie de manger du poisson. Et c'est entre guillemets la seule ressource que je peux trouver sur cette île. Donc ouais, je me repose un peu, je patiente et on va voir comment ça évolue. Bon, ça va pas vraiment mieux, mais j'ai une idée de quelque chose que je peux me faire à manger qui va me faire plaisir et peut-être que c'est la meilleure solution en fait. Ça fait quelques jours que j'en rêve, mais en fait tant que j'ai du poisson, bah en fait je suis toujours dans le raisonnement de me rationner. Donc là c'est parti. Et je vous préviens, hein, là on part sur de la grande cuisine. Donc d'abord je prends le riz, sucre. Et bien sûr, beurre de cacahuète, on va se tenter un petit riz au lait caramel qui va faire bien du bien. On va développer un peu ce feu là. Ok,
la casserole. Hop, l'eau du camel bag. Un fond d'eau, un peu de sucre. Ouais. Oh merde, trop de sucre. Pas grave, on va se régaler. Et les problèmes, c'est pour plus tard. Ah, la petite teinte marron qui arrive là. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Il n'y a peut-être pas tant que ça de sucre. Donc le caramel, ça demande beaucoup de sucre. Là, ça commence à être joli là. Je vais tout de suite rajouter un peu d'eau. Je vais mettre le riz. On verra plus tard pour les stocks. On va mélanger un peu le riz avec le caramel, que ça infuse. Là, c'est la régalade. Ok, l'eau elle est partie, on va rajouter. Là je pense qu'on peut laisser cuire un peu. Ce qui n'est pas pratique en fait dans cette aventure, c'est que j'ai qu'une casserole. Donc quand je cuisine du poisson en fait, du coup tout a le goût de poisson pendant quelques jours derrière. Ah voilà, là on obtient la petite structure laiteuse. Et je pense que je vais ajouter un petit peu d'eau de mer pour le petit côté caramel beurre salé. Bon, on va pas en mettre trop. Peu d'eau de mer, hop, parce qu'on veut vraiment que le riz soit bien fondant, c'est important. Rien que de voir ça, franchement, ça me met vraiment de bonne humeur. Je sais pas si j'aurais pas dû en fait ajouter le beurre de cacahuète pendant la cuisson, peut-être que ça aurait pu ajouter un petit côté crémeux au riz, je sais pas. Hop, une bonne fourchette, allez, une autre petite. On a passé la moitié, il faut se faire plaisir. Mais là, on est surtout à un stade où on veut éviter que la branche en dessous elle casse et que tout se renverse. Maintenant, je vais juste attendre que ça réduise un peu. Et ça va être bon. Alors, en plus, le riz là, il est en train de bien gonfler. C'est ça qu'on veut, un maximum de quantité. Ah, ça nous fait des bonnes bulles bien épaisses là. Voilà, c'est presque crémeux. Parfait. Regardez-moi ça. Magnifique, non? La texture parfaite. Mais surtout, le plus important, c'est de bien manger ça tranquillement, allongé. Oh. Et de se faire une bonne grasse mat. Meilleure idée de cette aventure. Franchement, c'est fondant. Il y a la rondeur de la cacahuète, le petit goût sucré, le riz parfaitement cuit. Un peu trop si on veut le manger de façon classique, mais là, c'est parfait. Et on espère surtout que ça fasse du bien à l'estomac. Je suis sûr que même vous, ça vous donne envie. Mais malgré ça, il ne résout pas tous les problèmes. Alors je sais pas comment s'appelle cette plante, mais en tout cas entre la coco et là le poisson, elle m'a vraiment sauvé la vie. En fait je me sens beaucoup plus détendu et il y a un truc qui a vraiment changé toute cette expérience. Et c'est ça en fait, c'est le riz. Maintenant je suis encore plus serein, au-delà de la confiance acquise en mes capacités de pêche ainsi que la résilience de mon corps à fonctionner avec peu, avoir cette réserve m'offre plus de liberté et m'ôte la pression de résultat. J'en profite aussi pour passer plus de temps à explorer mon île. Ces cascades de branches diffusent en moi une sensation de paix qui me déconnecte de l'anxiété de ma solitude. Je parlerai presque de magie tant je n'arrive pas à expliquer cette connexion. Mais les problèmes allaient vite me rattraper. Là, je vois des personnes s'approcher et à première vue, je me dis qu'ils sont trop propres sur eux pour être des pêcheurs, donc je me dis que c'est des touristes. Mais en fait, c'était la police et avec eux, le gardien de l'île. Et ils me disent que je risque d'être inculpé pour intrusion criminelle sur une île sacrée. Donc ouais, à ce moment, c'est un peu chaud. Et en discutant avec eux, j'apprends qu'ils n'ont pas été informés de ma venue. Mais moi, je suis dans l'incompréhension parce que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Alors je leur explique que j'ai bien eu l'accord du porte-parole du chef et qu'ils peuvent vérifier.
Ce à quoi ils me répondent qu'ils vont demander et revenir le lendemain. Donc en attendant, je suis vraiment dans le flou total. Voilà, c'est vraiment la journée des merdes. Retour de la pluie en plus, et cerise sur le gâteau, mes batteries de caméra en fait ne se chargent plus. Franchement, je me demande s'il n'y a pas un signe en fait qui me dit que l'aventure doit s'arrêter là. Alors je pars, j'essaye de profiter de la beauté de l'île comme si je me préparais à lui dire au revoir. Je ne peux m'empêcher de faire à nouveau le parallèle avec Koh Lantaï et ses illuminations parfois injustes. Quoi qu'il se passe, je devrais accepter la décision et c'est comme ça. On ne peut pas tout contrôler dans nos vies, mais c'est à nous de tirer les enseignements de chaque expérience et d'apprendre à rebondir. Ah, il y a le retour de la cavalerie. You were expected. What? What happened? How good? Oh, you took the pants of the surgeon today. No, my own. Yeah. So we've spoken with the landowners. Yeah. They said there was no sebu brought to them. Can I do it when I come back? What do you mean? In 2 weeks? No, we was advised by the surgeon and the landowners to come and take you in today and take you back to the mainland. I can't go today. That is from them. Là, ce moment, il est vraiment dur. J'ai essayé d'argumenter parce que le sevu-sevu, c'est cette plante que j'ai donnée au porte-parole, mais les décideurs n'étaient pas là et j'ai vite compris que s'ils étaient venus à 4, ce n'était pas pour discuter mais m'emmener avec ou contre mon gré. En fait, j'apprends que ce porte-parole du chef n'avait pas l'autorité de m'accorder le droit de venir, mais bon, il l'a quand même fait. Donc je suis un peu bouleversé, envahi par ce sentiment d'injustice, et même si techniquement c'est pas impossible que je revienne, je dois tout démonter et remballer, alors là je suis vraiment abattu. J'avais besoin d'aller au bout de moi ou de l'aventure, mais pas de m'arrêter au jour 25, quoi, presque en plein milieu, surtout à un moment où je me sentais bien. Alors une fois au village, je n'ai vraiment qu'une idée en tête, trouver le chef pour le rencontrer et tout faire pour revenir sur l'île. Suspense, suspense. Mais en fait, c'est le bordel. On m'avait dit que je pouvais le voir en arrivant, mais finalement non. Alors il me dépose chez la personne qui m'hébergeait avant que j'arrive sur l'île, en me disant qu'ils vont venir me chercher le lendemain pour aller le voir. Et en fait, le lendemain, personne. Alors je finis par aller les voir et ils me disent que c'est compliqué parce que c'est dimanche et qu'il y a église. Mais là, je suis toujours dans cette zone de flou et franchement, c'est horrible. Et puis finalement, en fait, le sergent vient me dire que le chef lui a dit que je ne pouvais pas y retourner. Et là, je me dis, mais d'où il sort ça s'il n'a pas pu le voir? Ça sent vraiment le mytho, comme si on essayait de me dissuader. Et en fait, j'ai même l'impression qu'ils ont peur de me présenter à lui. Alors je me dis, tu sais quoi, peu importe les règles ou les traditions, j'ai besoin d'entendre le verdict de la part du chef et j'ai besoin d'entendre maintenant. Il n'y a vraiment que lui qui aurait pu me donner ce sentiment que j'ai tout fait pour revenir. Alors je prends mon téléphone, je montre au sergent la carte du village et je lui demande où est sa maison parce que ça y est, je suis décidé et j'y vais. Et elle me dit, ok, bon, on va aller voir. Mais il me demande quand même de me changer avec des vêtements propres qu'il va me prêter. Et donc sans savoir dans quelle humeur allait être la discussion, j'ai pas filmé, mais je lui expliquais calmement ce que j'ai fait, mes intentions, ma volonté de respecter la nature, etc. Et donc pour faire simple... Ça y est, on est de retour. Maintenant, mission, tout remettre en place. J'ai vraiment tout repris comme j'avais emballé. Là, j'ai encore mes fringues dégueulasses du départ, j'ai pas pris de douche. Donc voilà, on reste dans l'aventure, on continue. Mais c'était aussi l'occasion de repartir à zéro, améliorer les choses que je ne prenais pas le temps de faire en commençant par mon hamac. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, mais là je suis en train de me faire un hamac king size. Bah voilà, la nuit arrive, on a amélioré le hamac, le paravent, on a le feu. Et pour fêter ce retour, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me ferais bien un petit riz au lait. C'est bon.
Une fois le camp réinstallé, je n'avais qu'une idée en tête, partir explorer les grottes. Je passais devant presque tous les jours, mais je repoussais sans cesse cette visite. Et si je n'avais pas pu revenir, je m'en serais voulu de ne pas avoir été voir ce qui s'y cachait. Cette situation fait écho avec le manque de sentiment d'urgence de nos vies, où on a tendance à attendre qu'il soit trop tard pour réagir. Non! En fait, depuis le début, j'ai une espèce de cénote ici. C'est sûr, c'est de l'eau douce. Waouh! C'est incroyable. Waouh! Regardez comment l'eau est claire, bleue. Franchement, c'est incroyable. L'eau est vraiment très stylée. C'est déjà assez profond. C'est de l'eau salée. Elle est légèrement salée, l'eau, c'est bizarre. Regardez là, il y a de l'eau, mais en fait, on la voit vraiment pas, quoi. Elle est tellement translucide. C'est marrant, une espèce de boue argileuse, là. Au loin, j'aperçois même une cavité, comme s'il y avait une autre grotte derrière. Mais malheureusement, je n'ai pas le matériel qui pourrait me permettre d'aller plus loin. À ce moment, je regrette un peu de ne pas être venu avec les pêcheurs et leurs lampes étanches. J'arrive pas à croire que je vienne que maintenant, finalement. Et maintenant, à la suivante. Là, s'il y a un moyen, c'est par là. Mais ça semble risqué. Faut être en descendant là, faut pas rater ce truc là, sinon tu glisses dans le trou. Donc c'est ça la difficulté. C'est là. Il y a un petit gap, mais après ça descend presque normalement. Bon, celle-ci sera un peu trop risquée à mon goût et j'accepte que cela reste un mystère. Au village, une part de moi se demandait si ça valait la peine de revenir et maintenant que je suis là, j'essaye de comprendre ce que je peux attendre de ces deux dernières semaines. Deux semaines, c'est encore long, mais si je ne veux pas subir l'ennui et profiter de cette seconde chance, il faut vraiment que je me trouve un challenge. Bon, il y a un constat, c'est que depuis l'Australie, en fait, tous les poissons que j'ai attrapés, c'était à chaque fois avec la ligne de main. Donc là, la mission du jour et du reste du séjour, c'est quand même de réussir à essayer de choper un poisson avec un appât. Au cours de cette aventure, la pêche aura vraiment été une très grande source de frustration, malgré ma volonté de me détacher du résultat. Mais aujourd'hui, j'y crois vraiment, alors je retourne explorer différents endroits, de croire en mes chances, d'amener toute la bonne volonté du monde et le peu d'énergie qu'il me reste. Mais malheureusement, le résultat est toujours le même. Ce sera peut-être juste pas une aventure pour la pêche, c'est tout. Dans ma vie, je me suis beaucoup questionné au sujet de ce qu'on appelle solitude, à essayer de trouver un remède à cette douleur que je ressens parfois dans ma vie. Venir ici, c'était aussi en affronter sa forme la plus pure, aller le plus loin possible pour la comprendre. Et désormais, je dirais une chose, la solitude n'existe pas. Être seul ici renforce l'ennui, renforce le doute, renforce la frustration, la peur et le stress. Être seul me prive d'un des plus grands plaisirs de la vie, qui est le partage. Mais elle n'a pas d'effet direct, il n'y a pas une douleur qu'on peut qualifier de solitude. Elle me rend simplement plus fragile mentalement. Mais je suis ici de mon plein gré, je suis préparé, je sais pourquoi je suis venu et le sens que je donne à ma présence ici me renforce face à cette solitude. Je sais que le temps ne peut s'arrêter, que cette aventure est une fin et que ce n'est qu'une question de patience. Alors j'arrive à remplacer mes pensées négatives au profit de la fierté que je ressens d'avoir osé. Je réalise que ces aventures sont un moyen pour moi de prendre ma solitude à contre-pied. Chez moi, je ressens beaucoup ce besoin d'être entouré de mes proches. Mais quand je suis à l'autre bout du monde, ce n'est pas une option, alors cette solitude ne m'atteint pas. Mais je comprends maintenant que je dois cette vie et mon identité à cette douleur. Alors j'ai envie de lui dire merci. Merci de m'avoir montré cette voie. Aujourd'hui, je n'échangerai ma vie pour rien au monde, et sans elle, je ne serai pas ici. Je comprends aussi que la solitude est une douleur unique et qu'il n'y a pas un remède comme on comblerait sa faim ou sa soif. Mais que derrière chaque douleur se cache un cadeau pour celui qui est prêt à le chercher.
C'est agréable, ça a une bonne odeur citronnée un peu. Là, je me dis que heureusement que je sais que j'ai que 10 jours à tenir. Cette aventure m'interpelle aussi sur ce qu'on appelle la survie. Le premier mot qui me vient à l'esprit à vivre dans ces conditions. Mais même si je fonctionne au ralenti et que je perds du poids à vue d'œil, je ne me sens pas en position de flirter avec la mort. Certes, l'adaptation était difficile, mais j'étais loin de l'anxiété et de la panique que le mot survie m'évoque. Ce qui me donne la sensation de vivre plutôt que de survivre. Mais je réalise que même dans le confort de nos villes, l'insécurité, la solitude, la peur de manquer ou d'être rejeté peut nous placer dans un stress quotidien signe de situation de survie. La preuve que nos peurs et nos perceptions auront toujours plus d'impact que notre situation réelle. Vivre ces aventures seules dans la nature est finalement ce qui m'a appris à vivre épanoui dans notre société. Elles m'ont appris que rien n'est plus gratifiant que d'apprendre à dépasser ses peurs. Mais surtout, elles m'ont appris à croire en moi et à prendre conscience que nous sommes capables de bien plus qu'on ose l'imaginer. Et qu'à force de persévérance et de détermination, tout finit par arriver. Ça y est, enfin, le premier poisson attrapé au leurre. Et franchement, il est magnifique avec ses petites teintes bleutées. Là, je suis trop content. À ce moment, je suis en extase, enfin, après tant d'essais et d'abandons successifs. La pêche m'aura appris une belle leçon, peu importe l'environnement, les leurres et le matériel. Au fond, il n'y a que la persévérance qui paye. J'adoptais le rôle de victime, me réfugiant derrière un manque de chance qui nourrissait ma frustration. Mais la réalité, c'est que seuls ceux qui persévèrent ont de la chance. Parfois, il faut simplement faire et attendre que la vie nous enseigne des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, l'expérience. C'est ce qui fait toute la beauté de ce poisson qui ne représente pas de la nourriture mais des efforts répétés qui trouvent une récompense, une réponse face à tant de doutes. Ah, je viens de me taper un coup de fatigue de ouf. En fait, je pense que j'étais un peu euphorique du poisson. Alors quand je suis revenu, je pense à mon état de fatigue normal. L'atterrissage, il était vraiment difficile. Et donc là, ça va mieux, mais... Ouais, petite frayeur. La pression s'est envolée, ce qui semble rallonger le temps. Je pense à l'été qui est habituellement la période conviviale en France que j'ai finalement passé seul. Mais bon, je sais qu'à mon retour, le plaisir d'être chez moi me donnera l'impression que chaque jour sera mon anniversaire. Et qu'une raclette vaut tout autant qu'un barbecue. Pour me distraire, je n'ai que la nature, mais je me rends compte qu'elle est toujours capable de me surprendre. Tortue, putain. Poiscaille, yes. Putain, tortue et poisson, vous êtes gâtés là. Ah, c'est le même qu'hier. Hier encore plus gros. Tranquille. Yes là! Oh putain! Et c'est défait juste là, la chatte. Hop! Cette fois, j'opte pour une découpe en steak, ce qui me permettra de cuire le poisson à la casserole, beaucoup plus rapide et efficace. Ce deuxième poisson ancre en moi une profonde réconciliation avec la pêche et le plaisir que j'ai pu ressentir par le passé. Un plaisir à la hauteur de la frustration ressentie en plus d'un mois de survie. En fait, j'avais acheté deux leurres au Fidji et 90% du temps, j'utilisais le même, c'est celui-là, parce que c'était le préféré du vendeur et que le naufragé me l'avait conseillé aussi. Mais finalement, en fait, c'est l'autre qui a fonctionné à chaque fois. La pêche, tout comme la vie, n'est pas une science. Même si persévérer est important, savoir se remettre en question, tester et explorer l'est tout autant. Peut-être que le résultat n'arrivera pas aujourd'hui ni demain, mais tant qu'on continue d'essayer, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Avec cet état d'esprit, tout finit toujours par se réaliser. Et c'est cette philosophie qui guide ma vie vers mes rêves les plus grands. Comme ça fait deux fois que j'attrape le même poisson avec le même leurre, là je suis tellement excité à l'idée de recommencer que j'en oublie totalement la chasse. Mais c'est aussi parce que ça devenait compliqué, le courant s'était intensifié. Je ne pouvais plus aller là où j'avais l'habitude d'attraper des poissons intéressants sans être dans le courant maintenant. Alors je devais aller sur la droite de la crique pour me mettre
dans le courant et chasser pendant ce temps-là. Mais j'allais au moins 1 mètre par seconde sans palmer, donc c'était quasiment impossible. Mais surtout, je devais faire un gros effort pour me sortir de ce courant et éviter de me retrouver je ne sais où et revenir ensuite dans la crique pour retourner à ce point de départ et faire une espèce de circuit. Donc ouais, que la pêche fonctionne sur la fin, c'était une délivrance. Ah, j'y crois pas, il y a un barracuda là qui a mordu 4 fois dedans et il s'est pas pris. Allez là, ça va mordre, ça va mordre. Allez, un petit saucisson de barracuda ce soir. Je sais que t'es là, saisis ton destin. Oh là 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 là, est-ce que vous les voyez là les deux? Youh! Allez! Allez, viens ici! T'es où? Je te vois plus! Allez! Allez! Oh putain! Oh putain, celui-là! Allez! Voilà! Calmement! Allez! Ouah, il est énorme, je crois! Le fameux. Est-ce que je vais réussir à remonter là? Deux. Putain, j'ai cru que j'avais pété ma canne. Ah bah elle est pétée. Ah, je suis dégoûté. Putain. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Ça veut dire qu'on a mangé. Et voilà le travail. Franchement, c'est indécent, mais bon. C'est la survie. Ah, puis j'ai pas mangé de viande les deux derniers jours, donc bon, un jour sur trois, ça compense. Mais franchement, un congélateur, ça serait parfait, parce que là, j'ai limite de la viande pour une semaine. Bon, hier le poisson c'était vraiment trop, mais en fait je l'ai laissé longtemps dans la casserole, pas trop fort, et j'ai réussi à faire ça, et ça sent encore plutôt bon, des petites miettes de poisson comme ça. Je savoure ce deuxième petit déjeuner de l'aventure en pensant à la fin qui approche. Je constate aussi que j'ai à peine consommé la moitié de mon riz et commence à prendre conscience de ce que je viens d'accomplir. Cette dernière semaine avec les 3 carangues à ailes bleues attrapées était une réelle bénédiction, un beau cadeau de départ, et je ne remercierai jamais assez la nature pour ça. Avec la ligne d'arrivée en vue, ma concentration s'est altérée parce qu'au-delà de ma canne, j'ai aussi brûlé un lacet de mes chaussures, brûlé mon couteau et cassé mes sandales. Il était temps que ça se termine, mes craintes du départ étaient justes, mais il est surtout temps de faire ressortir ce que cette aventure m'a apporté. Pendant cette aventure, je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans que j'étais parti autour du monde, et ça m'a fait prendre conscience en fait que j'étais comme dans une mission depuis 4 ans, c'est que je sais pas vraiment ce que je fais, mais je le suis sans cesse. Et aujourd'hui, là, avec cette aventure, en fait, je me rends compte que ça y est, enfin, je comprends en fait ce que je fais depuis 4 ans. J'ai avancé seulement étape par étape vers l'aventurier que je voulais vraiment devenir. C'est-à-dire que les expéditions avant, elles étaient magnifiques, mais elles n'étaient pas alignées 100% avec la vision que j'avais de ce qui m'inspire vraiment. C'était une expédition incroyable et c'était 4 années incroyables. Mais je repense à tous ces Noëls ratés, toutes ces fêtes de famille ratées, mes anniversaires passés seuls, et je savais pas où ma soif d'aventure allait s'arrêter, et je pense qu'elle ne s'arrêtera jamais, mais je me rends compte que c'est pas du tout être le meilleur qui m'intéresse, mais surtout de raconter une histoire pour vous inciter et vous inspirer aussi à aller vers vos rêves, à suivre ce qui vous attire et à vous libérer de vos peurs pour vivre tout simplement le plus intensément cette chance qu'on a d'être en vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on lui donne sa chance, la vie, elle est vraiment belle. Elle est difficile, ça c'est incontestable, mais si on la vit à fond, elle est vraiment incroyable. Et comme un symbole, le soleil qui se sort des nuages à ce moment-là.
J'ai vraiment jamais eu d'émotion comme ça en conclusion d'une vidéo. Ça montre vraiment que là, je suis au bon endroit. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le soir venu, cette célèbre phrase du film Into the Wild résonne en moi. Le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Le partage. Et si c'était la clé de mon bonheur, ne plus partir à l'aventure seul, prendre le temps de vivre auprès de mes proches et de partager avec vous les enseignements qui m'ont marqué ces 4 dernières années. Cette pensée génère un flot d'énergie et des idées nouvelles. Accomplir cette aventure me fait accéder à cette nouvelle version de moi et à une nouvelle vision du monde. Mais surtout, je me sens soulagé, comme si j'avais rassasié le loup solitaire, me permettant de pouvoir prendre le temps de vivre avec les miens sans avoir l'impression de passer à côté de ma vie. Voilà, il ne reste que le verdict, la pesée. L'aventure se termine, mais le temps de retourner au village, je tenais vraiment à vous remercier personnellement d'avoir visionné ce film jusqu'au bout. C'est un an de travail et beaucoup d'investissement entre les recherches, le matériel, le voyage en lui-même et même le montage. Mais ça me tenait à cœur de vous proposer tout ça gratuitement comme je le fais depuis 4 ans sur ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez déjà vous abonner, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément parce qu'actuellement, je n'ai aucun sponsor ni aucun revenu de ces aventures. Et si cette histoire vous a plu, je vous mets le lien de ma newsletter dans la description, dans laquelle je vais revenir sur toutes mes aventures, depuis ma première jusqu'à celle-ci, avec un objectif prioritaire qui est de vous transmettre tout ce que l'aventure m'a appris, mais surtout de vous aider à vous rapprocher de la vie qui vous inspire. En tout cas, j'espère que ce film vous aura permis de croire en vos rêves. Là, je viens tout juste d'arriver et je me suis mis en quête d'une balance. Et donc là, je suis au seul endroit où il y a ça sur l'île, juste à côté. Et donc, c'est l'hôpital. Alors, can I move it so I can face the camera? Sure. Waouh, 68 kilos. Du coup, j'étais à 75-76, ça fait que j'ai perdu un bon 7 kilos. C'était à peu près l'objectif d'arriver autour des 1 kg par semaine, donc là il est quasiment à 6 semaines, donc c'est parfait. Well, thank you, yeah. And see you next time maybe. Yeah, okay. Bye bye. En tout cas, moi c'est rapide et pas besoin de rendez-vous dans ce genre d'endroit.